Découverte en 1534 par Jacques Cartier de Saint-Malo, fondée en 1608 par Samuel de Champlain de Brouage en Saint-Onge, la ville du Québec est fièrement campée sur le sommet du Cap au Diamant comme une couronne murale. C'est la Carcassonne de la Nouvelle-France. À quelques milles au nord de Québec se trouve la réserve huronne de Lorette. Il y avait là autrefois une mission consacrée à la conversion des indigènes. La vieille église existe encore, remarquable par ses antiques sculptures sur bois. En allant à quelques milles dans la même direction, nous arrivons à la barrière du parc national des Laurentides. Les gardiens émettent des permis de circulation. Les voyageurs peuvent passer la nuit dans l'une des hôtelleries de l'endroit. On émet également des permis pour la pêche à la truite, en même temps que des permis de séjour dans l'un des nombreux chalets. On peut se procurer de l'essence dans le parc même, mais il vaut mieux toutefois faire son plein avant d'y pénétrer. Il y a des chalets, relais idéales, aménagés de façon moderne pour les touristes qui vont de Québec au lac Saint-Jean. Le chemin côtoie de nombreux cours d'eau. Toute la région est parsemée de lacs, se déversant les uns dans les autres par une chute ou un rapide. Sur les bords de ces beaux lacs où foisonne la truite, le gouvernement de la province a érigé plusieurs camps remarquables par leur confort et leur propreté. Le chalet de la Porte des Enfers est situé sur les rives paisibles de la Picoba. Les eaux s'écoulent doucement dans un milieu propice pour la pêche à la truite. Seul le chant de l'oiseau ou le saut de la truite affamée rompent le silence. Ah, que l'on est bien ici, loin du bruit assourdissant des grandes villes. C'est ainsi qu'à regret, le sportsman laisse derrière lui le parc national des Laurentides. Il y a une fin à toute chose. Devant nous s'étend le lac Saint-Jean. Cette région est aux confins même de la civilisation. Nous entrons dans l'une des parties les plus fertiles de la province, renommée pour ses produits agricoles et sa houille blanche. C'est ici, au village de Péribonka, que Louis Aymon écrivit son chef-d'œuvre, Maria Chapdelaine, magnifique exposé des labeurs des premiers colons. Sur les bords de la rivière, on a érigé un monument à sa mémoire. C'est le village de la Pointe Bleue, sur les bords du lac Saint-Jean, agglomération d'Indiens de la tribu des Montagnais. La construction des canaux est un art dont les Indiens ont gardé le secret. Avec une dextérité étonnante, ils ajustent les unes aux autres de minces planchettes de bois qu'ils recouvrent d'écorce pour en faire une embarcation à nul autre pareil. Ce sont des fibres de végétaux qui tiennent le tout en place. Malgré son apparence de coquille de noix, le canot d'écorce peut naviguer sur les eaux les plus agitées et grâce à son extrême légèreté, peut facilement être porté par un seul homme.
cette partie de la province est sillonnée par des cours d'eau d'une extrême rapidité. On les traverse sur de petits ponts couverts, caractéristiques du Québec rural. Dans cette région, l'industrie forestière occupe une place prépondérante. Plusieurs cours d'eau apportent aux scieries qui se trouvent en aval un très grand nombre de billots. Les bûcherons canadiens-français sont habiles dans l'art périlleux du flottage. La rivière à ce détour semble en ébullition, mais l'homme aura bientôt fait de s'en rendre maître. La région supérieure du Saguenay a donné naissance à l'une des plus grandes usines génératrices de tout l'univers. Kenogami est le centre de ses activités. Chicoutimi, sur la rive droite du Saguenay, est la métropole de la région, ville moderne et centre industriel. Chicoutimi, en langue indienne, signifie « là où finit l'eau profonde ». Le voyage de Chicoutimi, qui est à la tête du Saguenay, à Tadoussac et à la Malbaie, qui sont situés sur le fleuve Saint-Laurent, peut s'effectuer par bateau ou par route. De luxueux navires assurent un service quotidien. La partie en aval du Saguenay a toutes les apparences d'un immense fjord. Du haut de ses 700 mètres de granit, le Cap Trinité domine le paysage. Gardienne des vastes régions vierges de la vallée du Saguenay, une statue de la Vierge Marie s'élève sur la cime du Cap Éternité. Ancienne colonie basque, le village de Tadoussac est l'un des plus vieux de l'Amérique du Nord, situé sur la rive gauche de l'embouchure du Saguenay. La première érigée en pays, l'église de la mission indienne, date de 1648. Le site du village fut le premier endroit de l'établissement des Blancs au Canada. Tadoussac est le centre de plusieurs légendes. À plusieurs centaines de mètres au-dessus de la rive du Saint-Laurent, la route se dirige vers la Malbaie, l'une des places les plus renommées de l'Amérique. Un somptueux palace attire les touristes du monde entier. Son golf, l'un des plus beaux du Canada, est connu de tous les sportsmen. La route contourne le rivage au milieu du plus beau paysage de la province. On voit souvent sur les routes de la Nouvelle-France de petits sanctuaires. De paisibles hameaux jalonnent la campagne dans une variété infinie de sites. L'une des caractéristiques des routes de la province de Québec est le vieux four à pain. C'est avec de l'argile que l'on a construit leur épaisse paroi. On les chauffe au bois et on y fait cuire un pain délicieux. C'est de la Normandie, pays d'origine de la plupart des Canadiens, que vient cette ancienne coutume. La plupart des paysannes filent leur laine qu'elles emploient pour le tricotage et le tissage. C'est ainsi qu'en fabriquant des vêtements, des couvertures, des tapis et des rideaux, elles subviennent par leur labeur à l'habillement des leurs et à l'ameublement de leurs habitations. Le pèlerinage de Sainte-Anne-de-Beaupré est au Canada ce que le pèlerinage de Notre-Dame-de-Lourdes est à la France. Une superbe basilique vient d'être érigée pour remplacer l'ancienne, détruite par l'incendie.
tous les ans, le 26 juillet, date de la fête patronale, l'Amérique du Nord se donne rendez-vous à Sainte-Anne-de-Beaupré. De beaucoup plus élevé que la chute du Niagara, le saut de Montmorency s'élance dans l'espace d'une hauteur de près de 100 mètres. Autrefois connue sous le nom de l'île de Bacchus ou l'île des sorciers, l'île d'Orléans est reliée à la terre ferme par un pont. Nous apercevons de nouveau la silhouette de la ville de Québec, terme d'une randonnée dont le charme vivra toujours dans notre mémoire.